Bonjour, je m'appelle Céline Gilles, j'ai 29 ans. Je travaille actuellement dans une entreprise spécialisée dans le domaine de l'aéronautique à Châtellerault dans la Vienne et j'occupe le poste de PDP manager. Mon parcours avant d'intégrer ce cursus, je suis arrivée dans l'entreprise en 2011 en tant qu'apprenti en bac pro technicien d'usinage que j'ai obtenu en 2013. Donc par la suite, je suis restée opératrice sur commande numérique pendant à peu près 3 ans. En CDI, et ensuite l'entreprise m'a proposé de reprendre mes études toujours en alternance via un BTS assistance technique d'ingénieur, un diplôme que j'ai obtenu en 2017. Et donc grâce à ce diplôme, j'ai pu intégrer les équipes de la gestion de production. La motivation qui m'a poussée à postuler pour ce cursus, c'est une envie d'évolution au sein de l'entreprise avec un poste avec un peu plus de responsabilité, mais également venir enrichir mon expérience parce que grâce à mes différentes alternances, j'ai eu une expérience très terrain, très pratique. Par contre, je trouvais qu'il me manquait vraiment ce bagage théorique, donc j'en ai fait part à l'entreprise. Et donc l'entreprise m'a proposé de reprendre mes études via le Bac plus 5 manager de la chaîne logistique. Mes attentes en intégrant ce cursus, c'était vraiment de pouvoir avoir donc ce bagage théorique et vraiment de pouvoir connaître la supply chain au global, d'être beaucoup plus tête haute et d'avoir une vision sur les différents métiers et leur importance et de aussi pouvoir échanger avec des professionnels sur ces différents métiers. Ce que j'apprécie déjà à mi-parcours, donc c'est une alternance, donc on est 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, enfin en cours, et donc c'est vrai que c'est très intéressant d'être 3 semaines en entreprise, on peut vraiment essayer d'appliquer les choses qu'on voit durant les cours. Et puis aussi c'est le fait de pouvoir partager avec la promotion, parce que on est tous en alternance, donc on est tous dans une entreprise différente, et le fait d'échanger sur les pratiques, sur les expériences de chacun, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Les principales difficultés rencontrées à ce stade, c'est d'avoir une charge au niveau des cours et une charge au niveau de l'entreprise. Donc c'est pas forcément simple au début, c'est une question d'organisation, mais c'est une organisation à mettre en place qui n'est pas forcément simple à mettre en place au début. Et puis aussi de retourner sur les bancs de l'école, c'est pas forcément simple non plus, mais ça se fait quand même. À ce stade, effectivement, je pense que ce diplôme va pouvoir me permettre d'avoir de belles perspectives au sein de l'entreprise. Donc déjà, ça m'ouvre les portes de la supply chain. Donc la supply chain, c'est quelque chose que je ne connaissais pas forcément avant. Je suis actuellement en gestion de production, mais on n'est pas forcément rattaché à la supply chain. Donc là, ça pourrait effectivement m'ouvrir les portes de la supply chain et d'avoir un poste avec beaucoup plus de responsabilités.